Yo creo que la mejor poesía de este siglo está escrita en prosa. Évidemment, les jeunes lecteurs, en particulier, sont très séduits par certains romans de Bolaño qui mettent en scène de jeunes poètes, parce qu'il s'agit d'une revendication, en réalité, de la liberté de création et de la liberté de vie et de l'association indissoluble entre liberté, vie et création. La médiation entre l'écriture et l'expérience, c'est la lecture. Et Bolaño était un lecteur absolument passionné, éclectique, qui lisait de la science-fiction, de la poésie bien sûr, de la poésie dans diverses langues. Il avait un appartement très peu chauffé, où il devait avoir très froid, et buvant des tisanes de camomille, puisqu'il ne pouvait plus rien boire d'autre du fait de sa maladie du foie. Et il avait un grand bureau, il écoutait du rock. Il écoutait du rock en écrivant, il écrivait effectivement la nuit, on peut se l'imaginer, fumant sans cesse, écrivant de manière énergique, écrivant intensément et s'amusant, écrivant et riant de ce qu'il écrivait. Réellement une entreprise de redistribution même du canon littéraire dans son œuvre, de nouvelle cartographie presque qui est faite également dans la littérature mondiale en rééquilibrant la littérature latino-américaine par rapport aux littératures européennes par exemple et nord-américaines. Oralement, paraît-il, Roberto Bolaño tenait sous le charme les personnes qui l'écoutaient lorsqu'il se lançait dans des improvisations de fiction et des discours avec une capacité polémique ou un jeu polémique très accentué. Donc c'est un jongleur, c'est un pugiliste. Cela ne se prend pas au sérieux, même si c'est très, très sérieux comme entreprise, même si l'ambition est très élevée. Donc le lecteur est invité à jouer le jeu en sachant que le jeu, on ne peut pas le gagner.